Le magazine Elle a sorti un article passionnant sur les productrices en France en ce moment. J'ai appris plein de choses très intéressantes. Ryan Gosling est venu assister à la projection d'Hippocrate. Ryan, si tu m'entends, sache que j'adore ce cinéaste. Elles ne sont pas nées productrices, elles le sont devenues. Et ben moi, c'est exactement pareil. Je ne suis pas née réalisatrice, je le suis devenue. Elles sont méconnues du grand public. Pareil, méconnues du grand public. Ce sont des femmes d'exception. Je suis assez exceptionnelle moi-même. Elle est surnommée la veuve Brando. On l'a surnommée la veuve Brando. L'acteur qui avait accepté une interview exclusive est mort avant l'arrivée de l'équipe du tournage. Et ben moi, c'est exactement pareil. Cette année, je vais faire un film avec Jacques Rivette, avec Ito Escola. Je vais faire un duo avec Bowie. Et Michel Galabru avait accepté de faire ma réplique pour Conservatoire. C'est vraiment l'unique raison pour laquelle je ne peux plus présenter le Conservatoire cette année, c'est parce qu'il n'est plus là. Et pas du tout, parce que là, j'ai limité à 23 ans et demi. Elle a eu 3 enfants avec Hippolyte Girardot, productrice de Albert Dupontel et Bully Lanners. Là, franchement, même en cherchant, je peux pas faire de blagues. J'adore leur univers, ce qu'ils dégagent, qu'ils font. Bon, juste une petite chose. Ce langage corporel, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites un petit pied de nez à ce métier, par ce geste. Les films du poisson. On a appelé notre boîte de prod les films du poisson parce que nous étions entourés de gens dont c'était le signe astrologique. Je suis née un 1er avril, donc vous voyez, en termes de poisson, je suis... Non. Non, j'arrive pas du tout à faire ce truc. Non. En termes de poisson, 1er avril, c'est le top du poisson. Rencontrons-nous. Ça m'a beaucoup interrogée cet article, parce que je me dis qu'on fait quand même pas un article parce que ce sont des femmes. Non, c'est aussi parce qu'elles déchirent. Mais alors, si on met en valeur les femmes parce que ce sont des femmes, ça peut avoir un double effet. On peut se dire qu'il faut qu'on travaille plus... On peut se dire qu'il faut qu'on travaille double, parce que si notre travail est mis en valeur parce qu'on est des femmes, on veut aussi montrer qu'on peut faire du très bon travail, et pas juste du bon travail. Donc c'est un petit effet pervers d'être mis en valeur parce qu'on est des femmes, donc j'espère bien qu'elles ne sont pas mises en valeur parce que ce sont des femmes. Oh punaise, je me suis perdue moi-même, dans ma tête. Je comprends même plus ce que je veux dire. Bon, de toute façon, faut que je termine mon maquillage, parce que là, si je vais à un rendez-vous pour rencontrer un producteur, on me prendra jamais au sérieux avec ces cernes. Non.